On retrouve Shoachin qui avait décidé de tenter des choses en Battle Royale. On va décoller, chat. Je suis de retour, chat. Un retour pour le moins explosif. Messieurs, dames, bonjour ou bonsoir et bienvenue sur Warzone France. On est donc parti pour un nouvel épisode et je vous préviens, on a du lourd, du très très lourd aujourd'hui. Pensez bien à vous abonner pour ne pas rater les prochaines vidéos. Et en attendant, on retrouve Tomatis sans plus tarder. Oh my god. Il y a des ennemis dans le... Laissez tomber. Oh... Quand ça s'enchaîne comme ça, vous me l'accorderez, c'est que du bonheur. On continue et on retrouve Crâneur, qui était tombé sur une très belle full team de français. Écoutez bien. Oui. Ça va les amis? Oh là là, mais il m'a mis 2 balles. Ouais, je m'ai mis 4 balles, je suis mort. Ça va les amis, tranquille. C'est un plaisir de jouer avec vous. Non, mais tu sais tout, t'es un super mec. Non, il sait tout. Je suis pas un cheater, gros. Arrête. Il a dit, il sait tout. Il lui dit que je cheat pas, les gars. Les gars, dites à votre pote que je cheat pas. Non, je cheat pas. Ouais, mais comment tu sais que je suis là? Mais what? Le type est une pub. Et vous allez voir que cette équipe, on va la revoir. Non loin de là, Nano FPS était dans une situation plus que chaotique. Et ça, c'est ce qu'on appelle une véritable boucherie. Pendant ce temps-là, chez Mexichem. Voilà pourquoi il faut toujours penser à vérifier sa minimap, et ce, régulièrement. Oh mais attendez, regardez qui voilà. Oui. Je suis à l'autre bout de la map, ah mais c'est vous les Français. Mais mec, arrête de cheater, gros. Non je te jure je cheat pas, je te jure. Au nom de Dieu, je te jure. Léo. Ah mais oh, faut pas abuser, le pompe il est fort mais pas à ce point là quand même. Non je. Je te jure frérot. Mais arrête. Ah mais ça sert à rien de jurer avec eux gros. Je crois que c'est peine perdue. On enchaîne avec Shoachin qui arrivait tranquillement en parachute. Vous êtes bien battu. Gardez la tête haute. On débriefera quand vous serez à la base. Ah oui, peut-être que ça faisait un petit peu haut. J'ai glissé, chat. Allez, on bascule sur Vandel, et quelque chose me dit qu'on va avoir droit à un grand moment. I don't know. Bonjour. J'arrive. Je descends. Je suis derrière toi. Là, il faut se retourner et me tirer dessus, en fait. Parce que c'est un jeu de tir. Allô, allô. Ouais. Bah après, il faut tirer correctement, quoi. Ok. On y est presque, là. Allez, on continue. Là, il faut essayer de se looter. Il faut recharger aussi, hein. Allez, on prend une arme.
Toujours pas, non. Non, mais c'est terrible. Je sais vraiment pas ce que je donnerais pour n'avoir que des ennemis comme ça dans mes games. On pensait avoir tout vu avec Ricochet, l'anti-cheat de Call of Duty, et bien il semblerait que ce n'était que le début. Figurez-vous qu'on a appris, il y a de cela quelques jours maintenant, que Ricochet avait banni un petit nombre de joueurs qui ne trichaient pas. C'est en tout cas ce qu'Activision a admis par le biais d'un tweet posté jeudi soir. Heureusement pour eux, les joueurs innocents ont depuis récupéré l'accès à leur compte et la faille a été corrigée. On espère que ce problème ne se reproduira pas à l'avenir, notamment avec l'arrivée de Black Ops 6 dans une semaine désormais. Et vous, qu'en pensez-vous? Votre avis nous intéresse? Dites-nous tout ça juste en dessous, dans l'espace des commentaires. Allez, on avance et quelque chose me dit que ça va réagir encore une fois très très fort. Allô, c'est vous les Français? Ouais, hey, je vous jure les gars, je cheat pas, j'ai dit au nom de Dieu. Bah ouais, vas-y, recommence, regarde. Au nom de Dieu, regarde mon stream, viens sur stream, viens sur mon stream, viens sur Twitch. Ouais, tu connais Twitch ou pas? Mais même pas, j'ai pas envie, tout à l'heure t'es venu me chercher tout en bas. Je te jure que je triche pas, mais parce que j'ai tué ton pote, et quand tu tues ton pote, et bah tu vois l'info. Il y a trois étages dans le bâtiment, donc forcément, vas-y, c'est bon, allez, imbécile, il y a une flèche en bas quand tu tues ton allié. T'as raison, oui, bah oui, t'as raison. Wouah, sale bête, va, t'es bête. En plus, j'essaie de lui faire comprendre. J'explique. Face à des ennemis comme ça, je crois qu'il ne faut mieux pas perdre son temps. Ça, c'est fait. Maintenant, allons faire un tour sur le live de Shoachin. Pourquoi tu cours partout, Titou, alors que t'es tout gâté? You sweetie, Titou. Give me a kiss. Oh, revive, Titou. Revive, my friend. Revive. Okay. It's okay. You sweetie, too, Titou. You sweetie, too. No, I promise, you sweetie. Bye bye. Ça commençait mal et au final une belle amitié est née. Pendant que tout ça se passait, Tomatis faisait du sale à Control Center. Oh, t'es pas un cheater toi, sale. Ouais. Je suis pas sale, je suis pas un cheater. Je vous bats juste dans les règles de l'art. Et ça insulte. Non mais ça va pas ou quoi les garçons? Vous connaissez Tomatis? Ah voilà. Je vous propose de retrouver Mamzuel qui, semble-t-il, passait un agréable moment sur Vandel. Regardez. Non. Quel plaisir ce jeu. Come back my friend, come back. Quel plaisir ce jeu. Ce clip est clairement à l'image de Warzone, tu penses passer un bon moment, et au final, le jeu te ramène à la dure réalité. What are you waiting for? Oh doux Jésus! Vous aimez les gros rageux, alors je crois vraiment que ce clip devrait fortement vous plaire. Ah, c'est pas le même, je crois. Il a un silencieux, donc c'est plus qu'il casse ses armes. Oh la chatte. Oh la double chatte. Putain, lui casse les couilles. C'est un film à camper comme ça. Mais ta grand-mère, toi, t'en as pas marre de camper. Tu passes ta vie à camper, on a compris, c'est bon, hein. Putain de fils de c***, d'enfant de fils de c***. Attends, mon père était un chien, ma grand-mère est une femme. Et putain, mon arrière-grand-père, un bout de Kellogg's. Qu'est-ce que c'est que ce bordel, gros? Il a refait tout mon arme, j'ai la musique, c'est enculé. Oh là.
Qu'est-ce que c'est que ce bordel, gros? Calme-toi, Kevin. On en a vu des rageux sur la chaîne, mais là, c'était clairement du haut niveau. Hello, les gars! Qu'est-ce que je fais de toi? Putain. Ça, c'est à force de troll, ça. Fais chier. Et si ça, c'est pas du karma, je ne m'y connais pas. Oh, attention, ça va aller vite. Putain, il y avait un mec derrière. Oh! Non, mais gâche pas tout, toi. Il gâche tout. Y'a pas à dire, un clip à l'arbalète, ça fait toujours son petit effet. Excusez-moi, chat. Il avait bien joué, il fallait que je lui dise. Comme quoi sur Warzone, tout est une question de précision. On continue avec Runner, qui était encore une fois tombé sur une belle brochette. Vas-y. Ah, c'est vous ? Oh, vous êtes là, les Français ! Vous m'avez manqué, mes frères ! Vous m'avez manqué. Ça va, Yo-Yo ? Et ça va, très gros, pilon. T'as le droit de me répondre aussi, mon frère, quand je te dis ça va. Ah, ben gros. Bien joué. À un moment donné. Laisse-moi Andrea. Laisse-moi Andrea. T'as cru que c'était l'abbé Pierre ici. T'as cru que c'était la fondation abbé Pierre ou quoi? Mais l'abbé Pierre, c'est un f***, gros. T'es un bâtard, gros. Laisse-moi Andrea. Pendant ce temps-là, Physique avait eu le plaisir de tomber sur un ennemi clairement à bout de nerfs. D'accord. Je vais vivre aussi. Bah d'accord, bah vas-y. Non, t'as pas le droit de vivre, ça va? Et c'est donc sur ce Descom que cette vidéo se termine, j'espère qu'elle vous aura plu. Dans tous les cas, on se retrouve demain soir pour un nouvel épisode, et franchement, il s'annonce extrêmement lourd. Sur ce, bonne journée, bonne soirée, salut tout le monde!